Hey guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 novembre et là nous sommes à l'aéroport. Il est 11h36, donc yep. Et nous sommes en route pour Rodrigue. I'm so excited. Je peux pas parler hyper fort non plus parce qu'il y a plein de gens autour. But I'm really excited. J'ai hyper peur en même temps. Franchement, là, il y a plein de sentiments. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais attendre de rentrer à l'hôtel, etc. pour vous raconter tout ça pour l'instant. Let's go! Et yep, dans environ une trentaine de minutes, on doit prendre l'avion. Donc yep, on a fini d'enregistrer nos bagages. Everything was alright. Ce matin, j'ai eu un petit souci avec ma valise. Donc de base, ce matin, j'avais pris une grosse valise, etc. Mais finalement, j'ai dû shifter sur une petite valise parce que la valise s'est cassée. Et heureusement qu'elle s'est cassée à la maison et pas pendant le voyage, etc. But yeah, let's go, let's go, let's go. Fun fact, c'est que pendant mon voyage à Rodrigue, je compte faire un vlog par jour. Donc des daily vlogs. Donc vous allez voir un vlog littéralement par jour. Ça va être insane. Stay tuned guys. And yeah, tu es prêt? Oui. C'est le premier voyage ensemble. On a les billets et tout. Everything's good. We are good. On a enregistré les bagages, là on attend, tranquille. Je suis trop hâte. Et franchement, il s'est passé tellement de problèmes, etc. avant ce voyage. Like vraiment quand on réalise tous les problèmes qu'on a eu avant ce voyage a intérêt à être phénoménal. At this point, le voyage doit être phénoménal. I'm not even joking guys. Là, ça m'a envoyé du lourd quoi. I'm so ready for it. And by the way, demain c'est mon anniversaire. Kind reminder. So wish me. J'espère qu'ils vont voir le vlog. En vrai, les daily vlogs c'est bien, mais ça va aussi dépendre de la connexion internet à l'hôtel. Donc je ne sais pas du tout à quoi attendre. Bah tiens, là on attend juste l'avion. Il y a un avion en face, genre un avion d'Emirates, et c'est un monstre quoi. Il est immense. Cockpit de pilote là. Ouais. C'est un petit truc. Ouais, tout ça quoi. Enfin, je sais pas si c'est magnifique. Là, là. Ouais. Ah voilà. Ouais, c'est un petit truc quoi. C'est fou. Mais du coup voilà, je suis en train de vlogger sur une toute nouvelle caméra. Justement, je vais vous expliquer tout ça quand on rentre à l'hôtel. Donc j'espère juste que it's alright, it's okay. Donc yep. But I'm really excited about it, guys. Ça fait des années que je voulais partir à Rodrigue et finalement là, on part à Rodrigue. Finalement, j'ai des scènes parce que au cours des derniers jours là, je travaillais comme une malade. Toi aussi t'as beaucoup de scènes, non? Genre au cours des derniers jours là, je travaillais comme une malade. Donc là, well deserved holidays, like really. Ok guys, l'avion va décoller dans vraiment pas longtemps et on a une super place, genre look at this. On voit l'hélice etc. I think it will look good dans le vlog. But yeah, I'm really excited. At the same time, I'm super scared parce que du coup l'avion est petit, donc je pense qu'on va bien. S'il y a des secousses et tout, on sent les secousses. Donc I'm a bit scared, mais it will be ok. Le trajet assez rapide. Je m'attends. Thank you.
later. Veuillez maintenir votre position attachée jusqu'à ce que la concierge attachez vos ceintures, ça va être. Alors on vient d'arriver et déjà en arrivant, en voyant l'île, etc. C'est juste magnifique. Là on va juste passer au duty free parce que j'ai quelques petits trucs à acheter, je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard. Bah tiens, on va passer au duty free. On doit. Qu'est-ce qu'on peut faire devant là déjà? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben l'immigration. L'immigration. Mais ensuite on va passer au duty free, je vais acheter quelques cadeaux, quelques petits trucs, etc. Et on a loué un 4x4. Donc le monsieur est censé venir quitter le 4x4 avec nous à l'aéroport. Et ensuite on va partir faire notre check-in à l'hôtel. So stay tuned guys. Mais le vol s'est très bien passé, il fait hyper beau, donc il n'y avait pas beaucoup de turbulence, etc. Par contre c'est un petit avion, donc on sent toutes les secousses, tous les moindres mouvements. Et j'ai un peu mal à la tête. J'ai envie de vous dire là, j'ai un tout petit peu mal à la tête. But it's alright, I'm alright. Et en arrivant on a vu l'île au coco, c'est ça? L'île au coco. L'île au coco. Et de base on a une sortie prévue à l'île au coco, so I'm really excited about it. Ok. We got chocolates. Près de ça, je suis chocolat. Ok. Good ou good? Encore toi. MJ. MJ. Un ticket de cap pour toi. Tu veux? Il en rappelle beaucoup, mon petit frère. On dit la fille. Ah, attends, une grande fille. Ah oui? Ouais. Une grande fille à 20 ans. 20 ans, ok. Elle est à l'université. Elle habite à Maurice. Ouais. Au fait, quand Ravel m'a dit. Votre copain nous a contacté, il m'a dit Frédéric. Je regardais la photo, je vous ai vu. À ce moment-là, j'ai demandé à ma fille. Tu connais cette fille-là, non? Ah oui, elle est influenceuse. Allez, merci. Allez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, allez, merci. Bye bye, MJ. On va devoir attendre une petite goutte là. Attendez, je vais juste vous montrer. Parce que du coup, on a loué une 4x4. Genre, c'est une BT50, elle est juste trop belle. Et elle est de la couleur bleue. This is my favorite color. Je ne savais même pas que le 4x4 allait être de la couleur bleue. Donc, yep. Ah, elle est neuve la voiture quoi. What are you looking for? Donc yeah, on a mis toutes nos valises derrière et là on est dans la 4x4. So this is nice. Et là on va aller faire notre check-in à l'hôtel. Mais je disais justement un peu plus tôt que je suis passée. Oh, il y a plein de cabris. Ils sont tout blancs. That's so cute. Des chèvres. Je disais un peu plus tôt que je suis passée. Tu vas devoir m'aider à chaque fois qu'on me voit. Y a pas de souci. J'ai pas caméra. Ouais. Mais ça va, c'est comme ton papa même si, mais je vais t'aider. C'est même s'il faut sortir, j'ai tout. Un petit peu plus long, ouais. T'inquiète pas. Donc je disais que je suis passée au duty free, etc. pour acheter quelques chocolats. Et que... Yeah, j'ai acheté quelques chocolats. J'ai rencontré une influenceuse à Rodrigue. Maintenant je sais pas si en soi c'est une influenceuse, but... To be honest, j'ai regardé son compte, etc. pour trouver des endroits, etc. Rodrigue, I really like her Instagram. Donc je vais la rencontrer peut-être ce soir ou demain. Faute probabilité que ce sera demain. Mais voilà, on a eu la 4x4 now. Here we go, let's go. Et on est au Tacoma. Donc on passe la première partie de notre séjour au Tacoma. Je pense que ça fait 3-4 mois que je suis en contact avec l'équipe de Tacoma. Donc voilà, j'ai juste hâte de les rencontrer. Il fait hyper chaud, le soleil ici ça pète quoi. Hein, c'est un gros soleil hein. Et en plus ce matin j'ai pas mis de crème solaire. Ah mais par contre t'es comment, c'est à l'autre bout de l'île. Début de beach hein. Ouais. Yeah, franchement ça change hein. C'est très atypique. Ah, j'ai adoré. Merci.
ils sont hyper sympas. Genre, j'ai l'impression que n'importe quand on va revenir à Rodrigue, on va reprendre le transport avec eux, parce qu'ils sont like, so kind. Il y a des chèvres, des bœufs, everywhere. I really like it. J'aime beaucoup. C'est très atypique. Ouais. I feel so grateful right now. C'est tout. Let's go, allons au Tacoma. Et j'ai hâte de vous montrer notre chambre. En vrai, il y a eu pas mal de soucis, etc. Il faut savoir qu'avant ce voyage, il s'est passé tellement de choses. Déjà, par exemple, il y a un vlog, il y a un weekly vlog qui est en retard. Tout simplement parce que dans le vlog de la semaine dernière, il s'est passé tellement de choses incroyables, improbables. I don't know what the fuck was happening, guys. Parce que dans le vlog de la semaine dernière, justement, un gars au boulot a commencé à m'insulter. Il s'est passé plein de choses sur les réseaux, etc. So many things going on. Et hier, l'hôtel m'appelle pour me dire qu'il y a un problème avec la chambre, etc. Et qu'il y a une probabilité qu'on n'aura pas la chambre. Donc vraiment, I was so stressed. Et finalement, on m'a confirmé que it's alright, qu'on aura la chambre. Donc j'espère qu'on a eu la chambre qu'on voulait. Parce que de base, on a pris une chambre supérieure avec Beno, etc. So yeah, I don't know. C'est en arrivant à l'hôtel que je vais voir what's up. Mais de base, on est censé avoir la chambre avec la Beno à l'extérieur et tout. Donc croisons les doigts qu'on a réussi à avoir cette chambre, parce que c'est la chambre que je voulais. Je vous laisse enjoy un peu la route, etc. Pendant qu'on y va. And I'll see you a little bit later. Quelque chose à dire? Moi j'ai apprécié la vue. Il est 15h44 et on vient d'arriver au Tacoma. On va juste voir what's up avec nos chambres, etc. Enfin, notre chambre. So, let's do this. And yeah. J'ai rien ramené comme papier, etc. C'est ici la réception ou c'est... C'est même. I don't know. Ok, c'est justement la partie que vous préparez, etc. Alors là, on vise les trois premiers, la 30, 31 et 32. Oui. Pour les clients qui arrivent. Oui. On a convaincu en wellness en attendant que le spa soit prêt. Oui. Et puis on a fait trois rangées. Bon, beachfront, ok. La piscine, tu vois. Ouais. Les matelas, ouais. Et la plage. Ok. Et le bar. Ok. Et du coup, si on consomme des boissons, etc., est-ce qu'on paye tout de suite ou c'est accumulé jusqu'à la fin du séjour? Non, on met sur la note. Ok. On fait ça au départ. Ok. Alors, ok. Alors, si au cas où au départ il n'y a pas de chambre disponible pour le check-out, à ce moment-là, ouais, on vous emprunte ici. Ouais. Le changing room, vous pouvez vous doucher, vous changer avant. Ici, c'est le restaurant. Le oui. Restaurant. Bar. Oui. Alors, wow. Ici, c'est le hôtelier. Oui. Et du coup, là, Wi-Fi est. Ok. Et c'est. Ok, opérationnel, everything's alright. Ok, ok, super. Ici, c'est quoi, yeah. Ici, j'ai vu Anne-Muriel, il avait publié une photo. Ouais. Ah, merci, c'est joli mot ça. Ouais. Merci. Yeah. Ok. Wow. Ouais. C'est une très jolie vue, ouais. Bonjour. 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 Waouh. Mais magnifique le resto. Damn. Ouais, genre je veux la table là-bas à chaque fois, juste pour avoir cette jolie vue quand je fais les trucs, etc. Mais je vais pas vouloir retourner à Maurice, moi. C'est bon. Je veux rester ici. C'est bon, hein, je vais rester ici. Oui. Ah, bah, on peut manger, enfin, je sais pas pour toi, moi ça va, on peut manger en même temps, on va. Ouais. On a hâte, quoi. Exact. Ouais. Ouais. Vous êtes fully book actuellement, je suppose, ouais. Trop beau.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Les horaires breakfast and dinner. Petit déjeuner, ça part de 8h30 à 10h. Ok. Dîner de 9h30 à 10h. Ok. Oui. Merci. Wow. Waouh! Ça marche aussi pour les petits. Ok. Ici. Donc quand on l'enlève, c'est ça, ouais. Ça va. Alors il faut mettre ici et quand on peut sortir, on prend pour ne pas rester à l'extérieur. Ok, c'est sûr, oui. Alors ici, vous aurez tous les renseignements par rapport à l'hôtel. Oui. Tous les détails. Le tarif, le minibar. Oui. Le minibar, c'est trop juste ici. Oui. Ok. Ok. Allez, YouTube, Canal, Netflix. Oh. Et la meilleure télé qu'on vous propose, c'est... Oui, c'est ça, ça, là, je vois ça. Oui. Alors, de la maison, ok, pour aller à la plage. Oui, ok. Il y a deux salles de plage et deux cabines en dessous. Alors, une salle de plage, vous voulez faire changer pour des salles de bain, comme les gens ont déjà changé. Pas de souci. Ça, on va prendre pour celle de l'hôtel, c'est vrai. Oui, pour celle de l'hôtel. Ok, on récupère. Ok, super. La bouteille d'eau du thé coma. Oui, c'est compris d'avoir sorti. Alors, on fait le remplissage uniquement le refil de maintien. Ok, les femmes de chambre vont passer pour faire le refil, mais il faut que la bouteille soit complètement vide. Ok. Oui. Thé, café, ça c'est qu'on prend dans votre café. Ok. Donc, mignonne, le dentisteur qui est là. Alors, il faut faire attention de ne pas laisser sur la porte. Ok. Sinon, la chambre ne sera pas faite. Ok, pas de soucis. Ouais. Pour regarder noir, pour démarrer ça, vous avez ça à l'arrière du téléphone. Oui. Le directeur là-bas. Alors, le téléphone, vous faites le 0 ou le 100 pour la réception. On est là, 24 sur 24. Ok. L'électricité ici. Oui. Chapeau, cadeau de la maison. Waouh! Et moi qui allais m'acheter un chapeau, ouais, c'est bon, ça va, on a un chapeau. Le BOP, c'est Back for Ocean. Oui, ok. Tout ce qui est écologique, tout ce qui est plastique, vient de la mer. Ah, si on a des trucs en plastique, si on voit, on met dedans. Oui, et il y a la poubelle, tout près du. Ok. Si vous mettez ça dans la poubelle, pas de soucis. On a une discount avec. Oh là là! Ah voilà, le moment que j'attendais le plus, la baignoire! Ouais. Extérieure. Yeah. Une douche intérieure. Exact. Ah, elle est trop belle cette baignoire. Elle est trop belle. Je vois déjà mes photos dans cette baignoire. C'est super. Wow. C'est super. Ouais. Mais laisse-moi vous prendre des belles. Merci. En tout cas, super. C'est bon, je vais pas vouloir retourner à Maurice. Hein. Alors, sinon aussi, on a le one booking, one trip, one trip. Oui. Alors, chaque réservation que vous faites, vous avez un arc qui est implanté dans la tête. Oui. Et vous avez 25% de remise avec cette. Okay, super, ouais. Donc, juste aller voir le François Legat. Oui, waouh, merci. Alors, beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour. Merci. Je pense que justement, quand j'ai fini de vous parler, etc., je vais mettre quelques images de notre chambre et vous allez voir à quel point la kitchen scene, it's so pretty. Et justement, là, je suis assise juste là. Donc, il y a juste cette vue incroyable qui est là. And yeah, here's how it's going. Je suis juste en train d'admirer la vue, de regarder la mer qui est là, de me dire que wow, nous sommes au Tacoma, nous sommes à Roderick. Like, it feels unreal to be honest. I'm just so grateful to be here. On a reçu un petit jus limon en arrivant. Donc je disais qu'aujourd'hui on n'a pas grand chose de prévu. Déjà c'est un congé public. Mais voilà, on doit juste passer chez les parents d'une amie, chez aussi quelques amis de Fred, déposer quelques petits trucs ici et là. J'ai une amie qui a quitté quelques petits trucs pour ses parents, donc on va partir déposer ça chez elle dans pas longtemps. But here's how it's going. I'm just so happy and grateful to be here. Et pour l'instant, je suis toujours en train de process tout ce qui est en train d'arriver. Je suis toujours en train de process 2 heures de vol and so on. Like, vraiment en train de process que oui, là nous sommes à Roderick. It feels unreal. Donc c'est pour ça que je ne parle pas vraiment, mais ça viendra, ça viendra. Pour l'instant, j'ai très très faim. Je pense qu'on doit chercher un petit truc à manger. Et qu'on doit. Tu vas l'aider, ça que tu veux. Ok. En même temps, je vais mettre mes chemises. Si tu as des robes, toi. Yeah. Bah attends, j'arrive. Ah, I'm ready. You can do it. J'ai pas fait la vidéo. T'as fait la vidéo? Bah t'es allongé dessus. Tu me crop. Je peux pas te crop comme ça.
Si, j'ai fait la vidéo. Franchement, le truc que je trouve hyper beau, c'est cette baignoire à l'extérieur. It's so pretty, like... Ok. Look at this, guys. It's so pretty. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau à Rodrigue, donc je pense pas que j'ai passé beaucoup de temps là à baignoire. So, yep. Mais voilà, je pense pas qu'il y a des problèmes d'eau à l'hôtel, mais en soi... Je me vois pas non plus me doucher dans la baignoire tous les jours en sachant qu'il y a des problèmes d'eau à Rodrigue. Alors, ça fait make sense. En vrai, il y a des openings partout dans cette chambre. Ah, ok, les rideaux sont opaques. De base, je pensais que les rideaux n'étaient pas opaques. Genre, je pensais que les rideaux étaient comme ça. Mais ensuite, j'ai vu qu'à l'oreille, il y a un autre truc. Genre, ok, les rideaux sont opaques. Franchement, demain, je sais que je vais me réveiller hyper tôt. Et que je vais partir voir, genre, la plage, le lever du soleil, etc. Like, yeah. I just know it. En plus, demain c'est mon anniversaire. You already know that. Demain c'est le 3 novembre et demain j'ai 25 ans. Et du coup, je fête mes 25 ans à Rodrigue. Fred est enfermé à l'extérieur. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? That's scary. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il est 18h58. On est parti déposer des trucs, etc. chez les amis de Fred. Chez la famille d'Angelina et j'ai pas vraiment vlogué, obviously. J'avais pas vlogué chez les gens comme ça. Mais voilà, on va juste dire que je suis impressionnée par la simplicité, la gentillesse, la bienveillance des gens ici. Vraiment, j'ai rencontré deux familles, voilà, deux familles typiques Rodriguez et j'ai beaucoup aimé. Là, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et là, on va juste se diriger, enfin, on retourne à l'hôtel, on va se doucher parce que depuis qu'on est arrivé, on s'est pas douché. On va se doucher. Et on va partir manger au restaurant de l'hôtel. It was really nice, it was really, really nice. Et du coup voilà, des familles hyper gentilles. Genre, ils sont là, ils nous disent oui, repasser, etc. avant de partir. C'est quoi déjà le... C'est la saison de pêche qui va... Ouais, la saison commence. Ouais. Ouais, la saison commence et du coup ils ont dit qu'ils vont chercher ourite pour nous, etc. And if you know me, you know that I love ourite. I think I'm really excited about this. Mais en tout cas... Waouh, like vraiment waouh quoi. Tous les gens qu'on a rencontrés jusqu'à présent, genre depuis qu'on a posé les pieds à Rodrigue, genre vraiment des gens bienveillants, des gens gentils, patients, c'est fou quoi. Et j'ai souvent entendu parler de ça, genre on dit souvent justement les Rodriguez, ils sont hyper gentils, ils sont hyper patients, vraiment ils sont pas dans le rush, etc. Mais quand tu le vis, c'est autre chose, hein. Quand tu le vis, c'est une toute autre expérience quoi. Ooh, it's so cold. Ça me parle à une jet là. Quoi? Donc il fait bien froid ici. Ouais, ils ont fait le lit tout pour qu'on puisse dormir, t'as vu? Ouais. Wow, so nice. Ouais, on va retirer une photo avec les chapeaux demain. Ouais. Je voulais m'acheter un gros chapeau de paille au marché quand je vais partir à Pont-Mathurin parce que je sais qu'on a pas mal de choses, etc. Je voulais m'acheter un gros chapeau à Pont-Mathurin. Donc yep. Ok guys, we are going to take a bath. Je vous retrouve dans vraiment pas longtemps. Je vous retrouve dans quelques minutes même. Parce que j'ai envie que... En vrai là j'ai vraiment l'occasion de vraiment faire un get ready with me. Je peux poser ma caméra dans la salle de bain, on peut se préparer ensemble. Donc je vais juste me doucher and I'll see you in some minutes. Je voulais qu'on se prépare ensemble sauf que voilà on a très très faim. Donc j'ai essayé de faire le plus vite possible. And here's my outfit for tonight. Je porte ce petit hockey là. Et je porte le jean de ce matin et j'ai enfilé un pull par dessus parce qu'il fait quand même un petit peu froid. Mais j'ai l'impression que dans le resto il ne va pas faire aussi froid. I don't know if it makes sense but yeah, let's go, let's eat. I'm so hungry. Et je vais aussi prendre mon téléphone pour faire des stories, etc. Donc je reçois tellement de messages des abonnés Rodriguez. Not too much. Look at this. Ta-ta-ta-ta-ta. Bonsoir. Ça va et vous? On vient pour dîner, exactement. En entrée, Fred a pris une salade. Une salade du chef avec un poulet tikka ou something like that. Et moi j'ai pris un bouillon de poisson. Merci beaucoup. Yeah. Alors pour l'entrée, j'ai pris une soupe de poisson. Et Fred, il a pris sa super salade du chef qui a l'air juste incroyable. Je vais goûter la soupe là, devant une seconde. C'est hyper bon.
Et comme si avec ce petit temps un peu froid, le verre. C'est le plat. Moi j'ai pris un plat avec de l'agneau. Ouais. Par contre, je vais devoir enlever ça parce que je ne peux pas manger les aubergines. Donc, yeah, but it looks really good. Ben, a fait un truc avec. Oh oui. And it looks really, really nice. Et la façon que la salade est coupée finement, comme ça. Sincèrement, je vais pas vouloir repartir, hein. Je vais rester ici. Ici. C'est quoi? Attends. Ah ouais. T'as raison. Je crois pas, j'en ai aussi. Ok, guys, je vous montre rapidement le dessert. Donc, si j'ai bien compris, il y a une pomme et il y a une glace ou something like that. There's a lot going on, but it looks really nice. Donc, voilà à quoi ça ressemble. And yeah, let's eat, let's try this out. C'est vrai? Tu étais silencieux là. On prend la tuile quand même. Quoi? La tuile maman? Oui, c'est ça. Tu bois un petit bout? Bois un petit bout. Tu bois un petit bout. Maintenant, prends les trois avec toi. This is so good. C'est une pomme, non? C'est une glace coco. Ouais, c'est une glace coco. C'est fou, hein. Il est 22h26. Et pour tout vous dire, je viens de me faire un petit thé. Donc après avoir bien mangé, un petit thé à la vanille, comme ça là, ça fait du bien. Mais voilà, c'était une super journée aujourd'hui. On a passé l'après-midi à partir de déposer des cadeaux. On est parti voir les amis de Fred, etc. It was really, really nice. Et en même temps, ce soir, on a eu ce dîner, mais juste incroyable à l'hôtel. Et genre, on reste à l'hôtel pendant quoi, 7 jours, c'est ça? 7 nuits? 7 nuits à l'hôtel. Genre, on va manger comme ça pendant 7 nuits, c'est juste un truc de malade. It was really, really nice. Et justement, wait a minute. Yeah. C'est beaucoup, hein? Ouais, genre je réalise pas, quoi. Mais ça va passer hyper vite, j'ai l'impression. Donc, yep, ce soir au resto, c'était hyper cool. Comme entrée, j'avais un bouillon, enfin j'ai choisi un bouillon de poisson et patates douces légèrement tomatées, accompagné d'un toast à l'ail. En vrai, le toast à l'ail, j'aurais aimé en avoir plus. It was really good. Genre j'ai eu un tout petit toast à l'ail, mais je pensais que ça allait être vraiment un toast genre un gros bout de pain à l'ail. But it was really good. Je pense que c'est vraiment le meilleur bouillon de poisson que j'ai mangé toute ma vie. Genre il y a une sorte de crème à l'intérieur. I don't know how to describe this, but it was really good. Et en plus il faisait, bah du coup il faisait un peu froid. Donc ben, je sais pas, ça faisait du bien de boire un petit bouillon comme ça. Et ensuite pour le plat, j'ai choisi un ragoût d'agneau aux légumes, riz à l'oignon, lentilles rouges et salade mixte. Et Fred, lui, il a pris ourit. Donc, on a un peu partagé nos plats. Genre, il a pris un peu d'agneau avec moi, j'ai pris un peu d'ourit avec lui. It was really, really good. Et le dessert, du coup, on a mangé ça. Et ça, c'est une pomme verte rôtie à l'anis étoilé et glace coco avec sauce caramel beurre salé, tuile sésame. This was really, really good. Genre, vraiment, juste comme ça, là. Not too much, it was really good. Et j'ai l'impression que j'ai les yeux hyper cernés because like maybe I'm super tired. Donc je vais essayer de bien dormir ce soir. Mais voilà, c'est peut-être une accumulation de fatigue en vrai. Parce qu'habituellement mes yeux ne sont pas aussi cernés. Alors là j'ai vraiment l'impression d'avoir les yeux hyper cernés. I don't know what's up. Mais voilà voilà, tout cela pour dire que dinner was great et j'ai juste hâte de voir le breakfast demain. Et en même temps, ben voilà, le dîner demain, etc. Mais pour l'instant, je pense que là je vais vous quitter les gars. Et très très tard, je vais vous quitter. And I'll see you tomorrow dans un autre vlog. Donc, yeah!